Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va essayer de faire du bar, voilà. Il y a ce satané vent de nord-est qui dure depuis 3 semaines maintenant. Ça fait que les spots de bord de mer sont clairement impraticables depuis 3 semaines. Donc je me réfugie dans l'estuaire, dans le canal. Et voilà, je vais essayer de trouver quelques poissons. L'objectif, ça serait vraiment de faire un joli poisson. Ça serait vraiment la cerise sur le gâteau de faire un poisson de plus de 50. Ça serait vraiment magnifique. Mais déjà, si je fais quelques poissons, ça sera déjà bien. Et je prendrai déjà beaucoup de plaisir. Je vais commencer la session avec un leurre surface. Pour peigner, l'eau est vachement claire. Et là, aujourd'hui, il a fait vraiment chaud. Bah, avec le vent quand même qui rafraîchit un peu. Mais là, à l'abri du vent, là, j'ai vraiment chaud. Donc ça va peut-être réchauffer un peu l'eau malgré l'action du vent du nord. On va voir. Donc de toute manière, je tente. Et sinon, j'essaierai d'aller les déclencher un peu plus sous la surface. Donc soit au poisson nageur, soit à leur soupe. Allez, c'est parti. Là, j'y freine, il y a un mulet qui vient manger juste devant moi. Enfin, ils sont même plusieurs. Ouais, pas mal de petits mulets qui étaient venus manger sur la bordure. Ils viennent juste à côté. On les verra peut-être à la caméra. Bon, faut que je me concentre sur mon leurre surface. Mais... je vais changer, je vais mettre un poisson nageur. Là, c'est en l'occurrence lui, la particularité d'être silencieux. Donc, je me dis que s'ils sont assez, vu qu'ils sont assez pêchés par ici, ça peut peut-être faire bouger un poisson, en tout cas lui, faire la différence par rapport à ce qu'il voit d'habitude. Hop, on va essayer ça. En surface, de toute façon, j'ai rien eu. Mais je m'avoue pas vaincu en surface parce que là, c'est vrai qu'on est encore un peu tôt, le soleil est encore un peu haut. J'irai serrer dans la soirée ou leur surface quand le soleil sera beaucoup plus proche de la ligne d'horizon, voire passer sous la ligne d'horizon. C'est sûr, c'est souvent à ces moments-là que les barres se mettent à chasser vraiment beaucoup, sur les bordures en plus. Mais là, pour l'instant, c'est PN. Poisson au PN, c'est un petit bar. C'est un tout petit bar qui vient me chercher au PN. Bon, il est piqué tout juste. Bon, c'est un mini pins. Bon, voilà, un tout petit bar, vraiment minus. Il devait être en train de chasser sur la bordure. Pris au poisson nageur, je vais tout de suite le remettre à l'eau. Hop. On repart comme une fusée. Bon, on va continuer. J'ai pas eu grande activité en surface, même rien. Le PN, c'est le premier poisson, c'est un tout petit, donc bon. On va voir. Mais déjà, je suis pas bredouille. Et ça, c'est cool. Bon, j'ai envie de passer au leurre souple pour voir si je loupe pas quelque chose au fond. Bon voilà, je vais quand même mettre une taille assez belle quand même, c'est du 110. Donc 110 mm, j'ai mis un Jackie Chat 110 tangerine, on va voir. On va voir ce que ça peut offrir. Si ça peut permettre de faire un joli bar, ça peut vraiment être top.
poisson. C'est étrange. C'est très étrange. En fait, c'est pas vilain du tout. Je crois que c'est pas vilain. Je pense que c'est pris par la queue. Oh non, c'est un joli bar en fait, les gars. C'est un vraiment joli bar. Oh, il est balèze. Oh, il m'a ramassé sur le fond, j'étais posé sur la cassure. Elle m'a vraiment pris bizarrement. Oh, ça va, il est joli. Oh, elle est carrément correcte. Allez, viens parler, mon pépère. Yes, c'est bon ça. C'est bon ça. Il m'a vraiment pris d'une manière vraiment très 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 étrange. Vraiment, c'était particulier. C'est bon ça. Yes. Voilà. Superbe, superbe petit poisson. Enfin, il commence à être correct, ça fait plaisir. Il m'a mis des bons petits coups de tête, donc ça fait plaisir. Vraiment un bon combat particulier, la touche, parce que j'étais vraiment posé au fond. Il est venu me ramasser. Voilà. Superbe. Allez, on va pas traîner. On va le remettre dans l'eau, ce petit animal. Allez, oh là là, demande pas ton reste. Super. Ah yes. C'est bon ça les mecs. C'est bon. Oh, j'ai pris une petite touche. Encore, il est là. Il est là, le coquin. C'était vraiment furtif. Petite tape. Et il m'a pris pareil, juste devant. Là où il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Ça va, c'est quand même un poisson correct encore. C'est cool. C'est un plaisir. Ouais, c'est un petit poisson, ça fait plaisir. Pris toujours au Jackie Chad 110, coloris tangerine, qui a l'air de bien fonctionner ce soir. Hop, ouais, j'ai dit que c'était un poisson quoi, je me suis un peu enflammé, c'est un petit, mais bon. Comme quoi, pas hésiter à monter en taille. Bon, voilà. Le tangerine, il est pris juste dans la narine. Tac, ça se décroche. Voilà. Petit poisson, je vais montrer à la caméra là-bas. Petit bar, ça fait vraiment trop plaisir. Allez, hop, nickel. Ça repart, mais comme des cinglés. Ah, ça fait plaisir, yes. Je suis content. J'étais en train de me dire, tiens, plus de touche. Je vais passer sur un slug. Bah, du coup, ça me force à continuer au shad. Je vais continuer tranquillement pour voir ce que ça peut m'offrir. Parce que deux poissons, quand même, c'est assez significatif. Hop, hop. Bon allez, je vais changer de l'or, je mets un slug. Là, le soleil est en train de passer vraiment très très bas, donc la lumière est vraiment en train de décroître. Je vais quand même mettre un coloris assez voyant et pas trop translucide. Quand même un peu naturel. Bon, il reste encore un peu de soleil, je vais mettre ça. Bon, un coloris un peu, voilà, un peu naturel. Avec des paillettes sur le dos et un ventre un peu blanc. Un peu translucide. On va voir si ça peut marcher. On va essayer avec ça. Si avec ce coloris là j'ai rien au slug, je vais essayer de changer de coloris. Et si je vois que j'ai rien, je vais repasser au shad pour voir. Mais voilà, l'optique c'est vraiment de pêcher avec des gros leurres pour essayer de sélectionner. Je vois qu'ils ont pas peur. Là ça tape sur du 110, les pins tapent sur du 110, donc ça leur fait pas peur.
poisson au slug. Il m'a réveillé celui-là. Wow. J'étais en train de me gratter le nez. Il m'a mis une touche vraiment furtive. J'allais justement dire que j'allais passer sur un autre coloris parce que celui-là est un peu trop plombé. Wow. Doucement toi. Celui-là est vraiment plombé, c'est du 14 grammes je crois. Je me suis dit c'était peut-être un peu beaucoup, mais finalement bon, ça lui a plu, visiblement. Mais je vais quand même passer sur un truc un peu moins plombé pour planer un peu plus. Hop, bon c'est cool ça. Encore un petit bar, tout noir, posé sur les moules. Décroché. Décroché quand je l'attrape, voilà un petit bar, on va pas traîner. Plouf, ça repart nickel. Ouais, donc je disais, là c'est la tête, c'est du 14 grammes, je vais mettre du 10 grammes parce que du 14, là, ça fait vraiment beaucoup. Vu que le leurre est gros, je me suis dit, je vais quand même mettre beaucoup pour qu'il plane et qu'il coule un peu. Mais pour le coup, là, il coule trop vite. Donc on va mettre du 10, un cran en dessous. Donc voilà, petite parenthèse, si ça vous intéresse, le matos dont je pêche avec, là, est dispo sur mon site. C'est du matos que je fabrique moi-même, hein, c'est du... On appelle ça du craft pour ceux qui connaissent pas. C'est le fait de fabriquer ses leurres soi-même. Donc là, le Jackie Chat, notamment celui que j'ai utilisé, le Tangerine là. Donc là, c'est la taille 90, j'ai le 110 également. Mais le Tangerine là, par exemple, le Jackie Chat, il est disponible sur ma boutique. Donc le lien est dans la description. Les slugs que j'utilise par contre sont pas encore dispo parce qu'ils sont en phase de test. Enfin, je les teste et puis si je vois que ça marche bien, je les mettrai en vente. Voilà, disponible. Mais pour l'instant, voilà, les seuls qui sont dispo, c'est les Chad, donc les Jackie Chad. Et également les têtes plombées que j'utilise avec. Donc qui vont de 3,5 à 25 grammes. Voilà, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller faire un tour, ça me ferait vraiment très plaisir. Je fabrique tout simplement ces leurres-là dans mon garage. Voilà, fait en France. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous intéresse. En attendant, je change de leurre. Hop, là je suis sur du 10 grammes. Un autre coloris, bon c'est un coloris à peu près, toujours à peu près dans les mêmes tons, un peu naturel, mais qui ressemble un peu plus au Tangerine. Un coloris un peu plus, marron-orange. On va voir ce que ça donne, mais déjà, c'est pas mal d'avoir fait un poisson au slug. On va voir s'il y a d'autres poissons qui sont présents sur la bordure. Pourquoi pas plus joli? Je dis pas non. Mais déjà, c'est un plaisir de faire quelques poissons. 4 poissons déjà, un au poisson nageur, 2 au shad, 1 au slug. On va voir. On va voir si au slug ça continue, je vais rester au slug, sinon je vais repasser sur un shad. Peut-être pas le Tangerine, peut-être je vais essayer le Wakazagi, on va voir. Mais pour l'instant, je suis au slug. Bon voilà les gars, c'est une fin de session, j'espère que vous m'entendez bien malgré le vent. J'aurais touché 4 poissons durant cette session, ça n'a pas été évident. C'était des poissons qui ramassaient un peu sur le fond, qui mettaient des touches vraiment à 10 mètres du bord. J'ai décroché un autre poisson, enfin c'était... C'était assez complexe quand même comme situation. Les leurres qui ont fonctionné, j'ai fait un poisson d'entrée au poisson nageur, vraiment un tout petit poisson, un tout petit bar. Et ensuite j'en ai pris 2 au Jackie Chat 110 Tangerine, donc disponible dans la boutique. J'en ai parlé dans la vidéo. Voilà, et puis après j'ai fait un poisson sur un slug avec un coloris un peu pailleté sur le dos, sur le Jackie Slug 150. Voilà. Donc voilà, petite session sympa. Le premier poisson, enfin le deuxième poisson, donc le premier au Tangerine était vraiment cool. Poisson de 45, c'était voilà des poissons de ce calibre-là que je venais chercher. Comme j'ai dit en début de vidéo, la cerise sur le gâteau, ça aurait été vraiment d'avoir un beau poisson de plus de 50, mais bon, on peut pas en avoir à tous les coups. Et je suis déjà bien content d'avoir fait du poisson. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. J'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique, aller voir le matériel que je fabrique, donc des Jackie Chad, des têtes plombées. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à liker la vidéo si vous avez aimé. Je vous remercie d'avoir regardé. Allez, ciao.